Et salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Super Mario Power Star Frenzy. Et bien ma foi, des aventures qui touchent, allez, on va dire quand même gentiment à leur terme, parce que vous vous en souvenez la dernière fois, nous avions dépassé le stade des 30 étoiles. On en a même 34, voilà, c'est-à-dire qu'on est à 6 étoiles d'atteindre ce qui, je présume, va être le château du boss. Et bah du coup, bah voilà, on se rapproche gentiment de la fin. Même si, bon, voilà, s'il y a 60 étoiles et qu'on cherche à faire le 100%, on en a encore un peu à faire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller retourner nous arracher les cheveux à la Yoshi Forest. J'avais dit, il me semble, voilà, que j'allais utiliser une super feuille pour me transformer en gros raton. Et c'est parti, voilà. On va essayer d'utiliser un de ces objets pour aller tenter de réussir ce truc de l'enfer, si vous en souvenez la dernière fois. Je vais plutôt pas mal jouer en plus sur le dernier try. Le problème, c'est que, bah évidemment, sur le dernier try, tout à la fin, j'ai fait de la merde. Et du coup, j'ai fait de la merde, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais là, maintenant, on a la queue du raton qui pourrait éventuellement nous aider. On verra, hein, ça peut... De toute façon, je présume que ça va pas nous... Oula, j'ai déjà failli la perdre. Ah, bah voilà, je... Oula, ouh. Oui, parce que là, du coup, j'ai pas joué depuis plusieurs... Ah bah bon, bah voilà, je l'ai perdu. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, la queue du raton, elle aura pas duré bien longtemps. Non, et surtout, comme j'ai pas joué depuis plusieurs jours de nouveau, il faut que je me remette le gameplay en main. Ce qui n'est pas gagné, mais bon. Alors là, si je me souviens bien, on avait une étoile d'invincibilité. Voilà. Alors on en profite pour foncer le plus possible. Cette fois-ci, je vais faire gaffe, parce que je me souviens que la dernière fois, justement, j'avais fait de la merde avec l'étoile. Et je m'étais fait toucher en fin d'invincibilité. Donc là, on va y aller gentiment. On fait gaffe. Voilà. En plus, je me suis aussi rendu compte en uploadant le dernier épisode que cette musique de cet élément de ce niveau-là n'est pas copyrightée. Pour une fois qu'on a de la musique de base dans le jeu sans que j'aille la mettre moi-même et qu'en plus elle n'est pas copyrightée, j'ai envie de dire petit miracle. Voilà, c'est un petit miracle sur ce niveau. Il y a tout qui marche. J'ai pas besoin de m'arracher les cheveux. Ah bah tiens, un petit truc pour rien. J'ai pas besoin de m'arracher les cheveux pour ajouter la musique à la main et ensuite de prier qu'elle soit pas copyrightée. Là, pas de souci. Voilà. D'ailleurs, depuis le fameux épisode où j'ai eu tous mes problèmes de copyright, je n'en ai plus eu un seul. Donc, voilà. Bon, en même temps, depuis ce moment-là, je crois qu'on a... Ah oui, là, c'est le moment chaud. Je crois qu'on... impossible. Merci beaucoup. Voilà, j'adore ce genre de passage où c'est impossible de passer sans se faire toucher. Je crois que j'ai réussi la dernière fois, hein, mais c'est complètement au pif, quoi. Allez, on fait gaffe. On continue. Pour l'instant, j'ai toujours 3 points de vie. Je crois qu'on est en train de jouer super bien, là. Enfin... Non, je ne joue pas super bien, mais je crois qu'on n'a jamais réussi à venir jusqu'ici. Ouais, là, c'était impossible à faire ce saut aussi, merci beaucoup. Quoi ? Ah, mais non, mais je l'ai pas vu. Il suffisait que je dise que je joue bien. Et voilà, il nous sort tous les pièges pourris, mais je l'ai pas vu, ce truc. De toute façon, comment vous vouliez ? J'étais obligé de sauter, hein. J'étais obligé de me faire toucher par ces lianes. Non, pas là, Je voulais esquiver la boulette que m'a craché la plante pourrie. Et du coup, je me suis fait toucher. Bon. C'est magnifique. Ah, puis on est obligé de recommencer. Moi, j'allais vous dire, on va changer de niveau parce que sinon ça va me gonfler dès le début de la vidéo. Mais j'ai pas le choix, voilà. Enfin, si, j'aurais le choix, théoriquement, mais... Ah, tu sais, par contre, je viens de penser à un truc aussi, accessoirement. On m'a dit que... Non, je pense pas que ce soit là. On m'a dit que... Non. Mais quel abruti, mais... Bon, alors nous revoici sur la map. Alors, je disais, avant de faire absolument n'importe quoi et de quitter le jeu comme un crétin... Ah bah d'ailleurs, notez que ça m'a pas sauvegardé le fait que j'ai perdu les objets, parfait. Non, moi ce que je voulais aller voir, c'est qu'on m'a dit que dans les options... La change players. Ah, d'accord, c'est à ça que sert cette option. Voilà, parce que moi je vous avais dit qu'on pouvait peut-être débloquer Luigi. Mais oui, c'est ça en fait, vous voyez. On a une option qui s'appelle Change Players, et du coup on peut changer. Et vu qu'en plus dans cette option Change Players ça a l'air d'être un menu bien complet et tout, bah oui, moi je pensais que c'était pour jouer à deux ça. Genre que, je sais pas, vous ajoutiez un deuxième joueur ou quelque chose. C'est pas super logique comme il a appelé ça, Change Players, mais bon pourquoi pas. Mais du coup voilà, et en plus comme c'est tout un menu, on pourrait espérer qu'il y ait plus de persos après. Genre qu'il rajoute comme dans Mario 2, Peach et Toad par exemple, ou d'autres persos. Ça pourrait être sympa. En revanche, donc lui il a un super jump. Le problème, c'est que c'est écrit « He's tricky to use ». Voilà, vous voyez en bas à droite, son contrôle est minable. Donc, comme j'ai déjà... Je voulais en fait jouer avec Luigi... Tout ça pour ça, voilà. Je voulais essayer de jouer avec Luigi. Mais vu que Luigi a l'air de très mal se contrôler et que j'ai déjà du mal à me contrôler comme ça, on va continuer avec Mario, voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait remarquer un autre truc. Et j'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est le cas, c'est complètement aberrant. Je pense que... Ah merde, vous voyez, moi j'ai mis Kid Game, parce que je pensais que Kid Game ça me remettrait... Enfin, je sais pas pourquoi, moi je pensais que tout en bas c'était c'était quitter le niveau, quoi. Mais non, en fait, on peut pas quitter le niveau. Je pense que ça doit être Exit Course pour faire ça.
C'est bah une fois de plus, ouais, c'est bien ça. Bon, c'est pas super, ouais, bon. En général, je sais pas vous, mais moi, en général, dans les jeux, vous avez, moi, je mets les options pour quitter vers la fin, quoi. Et pourquoi avoir mis le exit course ici et l'option pour quitter le jeu là en bas surtout, c'est ça qui est bizarre. Enfin bref, voilà, c'est pas grave. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il m'a activé? D'accord, bon. Donc start active aussi les menus. Bon, donc une fois que je serai sorti et re-rentré dans ce niveau 18 fois et que j'aurai fait n'importe quoi, peut-être qu'on va pouvoir réessayer. En fait, j'aurais perdu plus de temps avec tout ça que, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous me connaissez, je fais n'importe quoi. Donc on est reparti. Voilà, on va essayer quand même de le faire. Du coup, j'ai oublié de ressortir le raton, bah, c'est pas grave. De toute façon, le raton ne nous avait pas beaucoup aidé. Ouais, non, je sais pas pourquoi, mais là, les menus... Ouais, c'est un peu bizarre d'avoir mis le... Moi, j'aurais mis, genre, le kit level tout en bas. En fait, moi, j'aurais pas mis l'option pour quitter le jeu dans le menu start, c'est des niveaux. Moi, j'aurais mis tout en bas, j'aurais mis l'option pour quitter le niveau. Et ensuite, à partir du hub de la map, bah, c'est là que j'aurais mis l'option pour quitter le jeu. C'est un peu bizarre qu'on puisse quitter le jeu depuis le niveau. Du coup, bah, c'est pour ça que je me suis fait avoir, là. C'est pour ça que vous aurez eu certainement une petite ellipse. Le temps que je relance tout le jeu, qui a remis 20 minutes à se lancer parce que les chargements de lancement de jeu sont super longs. Surtout qu'il me troll à chaque fois, c'est qu'au début à chaque fois il me met le loading de tous les fichiers musique qui prennent 5 minutes. Et tout ça pour qu'au final j'ai même pas de musique dans le jeu. Il aime bien me troller ce jeu, je crois. Mais à en croire les personnes, bah, selon vous, qui avaient téléchargé le jeu et qui du coup bah, y jouaient de votre côté. Comme quoi j'aurais quand même fait un petit peu de pub pour ce jeu, j'espère. Et de la bonne, accessoirement. Mais voilà, du coup, vous avez apparemment toutes les personnes qui ont essayé n'ont aucun problème. Voilà, il y a que moi qui ai eu des problèmes pour réussir à faire tourner le jeu, qui pour faire reconnaître une manette. Il y a que moi qui ai pas de musique. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi ce jeu m'en veut, mais bon. Donc voilà. Alors apparemment, si j'en crois les personnes qui m'ont dit, bah voilà, qui me l'ont dit, et j'ai aucune raison de ne pas les croire. Hein, voilà. Donc apparemment, il n'y a que moi qui ai ces problèmes. Donc, si jamais, n'hésitez pas à télécharger le jeu, voilà, c'est... Ah, bah enfin... Ah non, bah voilà, j'ai réussi le premier pour s'en tomber dans le deuxième piège. Merci beaucoup. C'est impossible à faire, c'est incroyable. Bah, j'aurais bien voulu tester Luigi, mais bon, vu que Luigi se joue pas du tout de la même manière, et qu'accessoirement, apparemment, ses contrôles sont moiseux, se sont moisis. J'ai déjà assez de peine comme ça, je crois. Hein. Voilà, je peux vraiment faire des tout petits sauts au pied. En fait, les sauts, il faut qu'ils soient parfaits, quoi. Ouais, voilà, bah celui-là, j'ai toujours pas réussi à comprendre. J'ai toujours pas compris comment je suis censé le faire, hein. Mario qui a mis ses chaussures en savon. Oui, s'il te plaît, merci, j'aimerais bien recommencer. Pas de checkpoint, évidemment, ça aurait été trop beau. On va le finir, ce bon dieu de niveau. Je vous assure qu'on va le finir. Je sais pas en combien. Même si je dois passer maintenant 10 épisodes sur ce niveau, je réussirai à finir ce niveau. Faut me laisser avoir par un niveau merdique quand même. Enfin, merdique. C'est pas le niveau qui est merdique, c'est mon skill qui est merdique surtout. Bon, le niveau est un peu infâme quand même, hein, parce que là, il y a quand même des sauts qui sont demandés, qui sont un peu... qui sont à la limite de l'infaisable, quoi. Allez, bon. Oui, oui, vas-y. Mais tu vois, là-dessus, c'est... Ah bah voilà, j'ai cru qu'il avait encore balancé les boules de feu à côté. Voilà, bon. Un coup d'invincibilité, on y go. Ouais, toi, j'ai raté mon saut, c'est pas grave. Ouais, non, c'était un peu bizarre. Du coup, bah voilà, j'aurais pu deviner, j'aurais pu remarquer ça, que les niveaux sont... Enfin, les options et les menus sont un peu étranges. Et comme ça, bah vous le saurez, voilà. Donc du coup, l'option Change Player, c'est pas du tout pour ajouter un deuxième joueur ou pour jouer à plusieurs. D'ailleurs, j'ai remarqué que... Bah oui, vu que je suis maintenant, du coup, bah, le développement du jeu, un peu tous les jours, bah du coup, bah j'ai remarqué que apparemment il va rajouter du multijoueur, du vrai multijoueur dans la prochaine version. Je vous l'ai dit, hein, jusqu'à présent, pour l'instant, on a un mode Battle... qui, je présume, doit ressembler à quelque chose genre Mario Bros sur arcade ou un truc comme ça. Mais maintenant, il va rajouter du vrai multijoueur, à savoir de la coop, quoi. Vous jouez à deux, vous faites à deux les niveaux. Un niveau comme ça à deux, j'ose même pas imaginer. Hein. Là. Saumoi... Mais non, puis j'ai réussi à me foirer, mais c'est incroyable. Mais si c'est saumoisi, là, qu'il faut faire, c'est incroyable. Allez, vas-y, oui, merci. Je recommence à bourriner la manette comme un fou pour aller plus vite. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, ces jeux où il faut attendre 20 minutes entre à chaque fois que vous voulez refaire un... Bon, et puis en plus, là ça va, c'est pas le jeu le plus long que j'ai vu pour ça. Hein, mais bon, y a quand même la petite animation de Game Over, mais bon. Crash. Par contre, je vais aussi me rendre compte d'un truc cool en revanche, c'est que vous voyez, je suis revenu en jeu avec la fleur. C'est-à-dire que je suis mort, mais l'item que j'ai utilisé, bah, je l'ai récupéré. Voilà, l'item qu'on a en début de niveau, on ne le perd pas. Ça, c'est plutôt cool, parce que ça, il était clairement pas obligé de le faire en revanche, voilà.
Il a été assez sympa avec ça. Donc c'est à peu près par là, voilà, que l'étoile s'arrête. Bah jusqu'à là ça va maintenant. On peut, bah vous me direz, là il y a rien de difficile non plus. Hein. Mais c'est à partir de ces foutus de ces foutus passages avec des lianes impossibles à esquiver. Misère, les pauvres Yoshi, mais alors laisse tomber, moi je... Moi j'aime bien Yoshi, hein, mais alors l'endroit où il habite, bah merci. Hein, ça doit pas être une partie de rigolade de vivre là-dedans, sérieusement. Les pauvres Yoshi, j'imagine même pas le calvaire de leur vie. Ils se font envahir par des plantes piranhas, ils se font envahir par ces merdes, ils se font agresser par tout ce qui existe dans l'univers de Mario, en fait. Funaise. Oh la vache, j'ai réussi pour la première fois à passer ici sans perdre ma fleur, bah dis donc. En fait, il faut laisser les yeux grands ouverts. Mais qu'est-ce que je branle? Mais pourquoi t'as fait ce wall jump pourri, Mario? Mais non, mais et puis il le refait en plus. Mais c'est qu'en plus il le refait. Mais merci beaucoup. Voilà, je me suis fait toucher deux fois, coup sur coup, à cause d'une merde. Oh non, mais ce saut, mais là où il y a la plante pourrie, ah, dégage. Voilà, là il y a ce saut là. Mais comment je? Mais non, je peux même pas. Je pensais peut-être en courant et en me laissant tomber. Mais non, ça ne marche pas non plus. Du coup, j'ai perdu la fleur parce que j'ai dû esquiver la boulette. Merci beaucoup. Je me retrouve là et j'ai plus de vie. Plus d'items accessoirement aussi. Oh là là là. Et tout ça dans ce petit passage là. Ce passage là il fait 20 mètres dans le sous-sol. Mais on se fait toucher par 50 milliards de trucs. Bon, j'ai récupéré la fleur, ça c'est déjà bien. J'aurais préféré une vie quand même, mais bon. J'aurais préféré la fleur et une vie en fait. Non, en fait, non, je retire ce que j'ai dit. Non, j'aurais préféré que le niveau s'arrête. J'aurais préféré ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, un champi, parfait. Oh non, puis il est coincé entre les machins, vous êtes sérieux? Oh là là. On sait pas quoi. Ah, c'était quoi ça? Ah, il doit y avoir une merde là-haut qui. Ouais, voilà, il y a une plante qui lui crache ses merdes. Elle a failli m'avoir en plus, hein. Voilà, je tue ces machins à distance. Bon, là ça va. Là ça va, un petit saut. C'est pas là où je suis mort la dernière fois? Non, je crois pas encore, mais c'est là que je m'étais fait avoir par cette plante qui était ressortie. Parce que j'avais oublié en fait, j'ai vu ça au montage et je pense que c'est vrai. J'avais oublié, les plantes vertes, c'était des plantes qui sont apparues dans Mario Bros 2. À la base on avait que des plantes rouges qui ne sortaient pas quand vous étiez sur... qui sortent pas... Oh, je suis full vie avec une fleur. En gros les plantes rouges ne sortent pas des tuyaux quand vous en êtes proche, mais les plantes vertes elles le faisaient. Elle sort que vous soyez là ou pas. Ça c'était le petit ajout sadique qu'ils avaient mis dans Mario Bros 2. Le vrai du coup, hein, pas la version occidentale. Et du coup je pense que c'est ce que le développeur, c'est ce qu'il a fait là aussi. Ouais, puis je fais comment là? C'est impossible de passer là encore une fois. Hein. Oh oui. Oh. Eh ben dis donc. Oh, on l'aura eu cette toile. On l'aura eu. Alors celle-là elle était pas facile à avoir, tiens. Mais une fois de plus, c'était pas mal. Non, une fois de plus. Et une fois de plus, ça met en avant le fait que le gameplay est parfait. Parce que si le gameplay ne l'avait pas été, ce passage-là aurait vraiment été infaisable. Hein, ouais. Là, le seul truc, c'est que bah, voilà, c'est des sauts ultra précis qu'il faut faire. Mais bon. Puis là, c'est fait encore. Hein. Il a mis des champignons ici ou là. Il a mis des fleurs aussi ici ou là. Il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. C'est assez fait. C'est pas trop injuste, disons. Donc, attendez, on a combien d'étoiles déjà? 35. Bon. Alors où est-ce qu'on en est niveau... Alors... Attendez, il y a un truc en bas. Ah oui, Frantic Fortress, c'est le truc final, je crois. Hein. Ça doit être, bah, je présume, ça doit être le dernier monde. Où il faut 40 étoiles pour y aller. Donc du coup, bah, il reste Magma Central, où on en a eu que deux. Allez, on est parti pour celui-là. On retourne faire un peu de fun, n'est-ce pas, dans le magma. C'est toujours fun, les niveaux dans la lave. Alors je crois que c'est là. Non, c'était pas là, je voulais pas. Bon bah tant pis, bah c'est pas grave. On est rentré, voilà, parce que si j'essaye de quitter ce niveau, on va réussir à refermer le jeu, donc c'est pas grave, on va se faire une étoile là, allez tant pis. Puis en fait j'ai même pas eu la présence d'esprit de lire quel était le nom de cette étoile. Donc du coup bah ce sera la surprise. Quoique non, je crois qu'il nous le dit si on avait sur Start, non? Ouais voilà. C'est Red Coins of the Reefs. D'accord, donc là ça va être la recherche aux 8 pièces aux 8 pièces rouges. Bon. Bon bah voilà. Comme ça là cette fois-ci l'objectif est clair. Il va falloir trouver ces fameuses 8 pièces rouges. Ah d'accord, et puis vu que je vois que l'étoile elle est là,
Les pièces rouges ne doivent pas être loin. Elles doivent être aux alentours, je présume. Yeah. Ah bah voilà. Notre première prière. Eh bah voilà, merci monsieur le bidule. Là. Comment ils s'appelaient ces machins? Des chip-chip, non, je crois, les. Ces espèces de poissons. Attends, tu t'enfuis pas, toi. Y'a un truc là-haut, peut-être? Ça sent le. Oh là là. Y'a rien là-haut, vous êtes sérieux? Ouais, vu comment c'est dur à y aller, j'aurais cru qu'il y aurait un truc là-haut, mais. Notre à droite, là. Attendez, mais sérieusement, on peut aller là-haut et y'a rien? Moi j'aurais foutu un truc secret là-haut alors. Là-haut, j'aurais foutu un truc secret alors pour que ce soit aussi dur à y aller. Enfin, dur, entre guillemets, mais voilà, mais je veux dire par rapport au reste, moi j'aurais caché un truc là-haut, clairement. Même si c'est qu'un bonus à la con, hein, mais. Alors, ah bah voilà, nos potes les bloops. Ah bah tiens. Merde, puis il m'a touché quand même, c'est pas grave. Au moins on aura chopé une star coin là. Alors est-ce que je dois aller là-dedans ou je continue à droite? Alors on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose là? De toute façon là-bas dedans je crois que c'est là où il y avait les trésors, non? Dans la grotte, il y avait un coin où il y avait des trésors. C'était là-dedans qu'on pouvait choper les 8 morceaux d'étoiles d'argent là, si vous en souvenez. C'est d'ailleurs un peu bizarre qu'il y ait à la fois des missions où il faut choper les 8 étoiles d'argent et à la fois les missions où il faut choper les 8 pièces rouges. Surtout si c'est celui pour les 8 pièces rouges, c'est de nouveau une mission où il faut traverser tout le level pour les retrouver. Ah bah là il y en a encore une, ça fait quoi? 3? Seulement 3? Mais non, mais j'étais pas dessus! Enfin apparemment si, mais bordel, mais qu'est-ce que je fous? Voilà, comment... Oh là là, oh là là, non. Non. Voilà, avec le vieux gameplay sous-marin. Y'a rien ici, vous êtes sérieux? Je suis venu ici pour rien. Merci. Non, en plus c'est pas vrai, non, il y avait quand même une pièce rouge ici. Après je suis venu jusqu'ici pour rien. Oui, ça oui, mais il y avait une pièce rouge là, donc. Donc je me demande s'il n'y en avait pas une dans la grotte de tout à l'heure. Faudra peut-être y retourner là où il y avait le Toad. Le Toad avec son tuba. Mais bon, on va déjà continuer par là. Oh merde, y'a le machin du chaos là-bas en bas, mais. Oh, regardez-moi ce talent. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi enfin à faire quelque chose d'à peu près potable. Incroyable. Et puis tout ça va s'effondrer une fois que je vais me faire toucher par un de ces poissons pourris. Voilà, bah on a réussi à choper le cristal du chaos. Pas facile à choper en plus, hein. Il était bien planqué au milieu de ces espèces de méduses électrifiées là. Qui était apparu, si vous vous en souvenez, dans Super Mario Bros 3. Vous avez bien emmerdé d'ailleurs dans Super Mario Bros 3. Tiens, il y a un temple ici. Bah voilà. On saura où on devra venir. Ah merde, mais je les avais pas vus, c'est con! Et on saura où on va devoir retrouver une étoile. En revanche, je me suis fait avoir par un de ces espèces de bloops pourris. Heureusement qu'il y a un checkpoint. Et allez! Ils étaient déjà chiants dans Super Mario Bros 1, ces machins. Sauf que dans le 1, au moins, ils allaient pas jusqu'en bas. Et là, le développeur, il a pas fait ça. Oh, mais j'ai réussi à le tuer, je sais pas comment. Et c'est quoi cette fleur? Ah, c'est une fleur de... Mais non, c'est quoi cette fleur? J'allais dire, c'est une fleur de glace, mais... Ah non, d'accord, c'est une fleur qui balance des trucs qui rebondissent partout. Ah, ça, c'est chelou, ça, j'ai jamais vu cet objet, tiens. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Non, laisse tomber, c'est pas possible. Vous avez vu toutes les méduses, je suis sûr que c'est pas là-haut qu'il faut aller. Hein. Alors, il est très chelou, cet objet, mais il peut être pratique aussi. Là, vous voyez, ça, quand on les lance, ça rebondit partout, à là-haut. On fait 5, y'a rien là-haut. D'accord, donc définitivement, là où il y avait toutes les méduses tout à l'heure, ça servait à rien que j'y aille. Hein. Donc, je sais pas où casser ce bloc, des fois qu'il y a un truc qui pourrait m'aider pour plus tard. Vu que je suis full vie, puis avec un item que j'ai jamais vu. Ouais, c'est pratique que ça rebondisse partout, en fait, ça c'est pas mal, ça. Qui nous donne un objet pareil sous l'eau. Ah bah on est revenu là, tiens. Bah en fait ce qu'on va essayer... non bah non, ça sert à rien. Enfin, est-ce que je peux remonter à la surface? Y'a peut-être une pièce rouge là-haut en fait. Qui sait? Non. Y'a pas de pièce rouge là-haut. Mais qu'est-ce que je fous? Oh la vache. Non, y'a rien là-haut, d'accord, je suis déjà venu ici. Donc là-haut y'a rien. Donc il nous en manque encore 3. Bon, on est parti pour refaire tout le niveau une deuxième fois.
Yeah. Non, ça c'est quand même le... C'est peut-être le petit détail que voilà que je pourrais voilà que je trouve un peu étrange quand même, voilà. C'est pas que ce soit mal fait ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, voilà, une fois de plus, je trouve ça un peu étrange. Du coup, je vais pas prendre la fleur de feu, j'ai mis où là? Et j'ai plus de... Bah non, je l'ai plus. Bah voilà, merci beaucoup. Ah bah tiens, bah y'en avait une. Mais non, mais je suis pas venu ici déjà. C'est un truc de fou, j'étais sûr que j'étais déjà venu ici. En fait, je suis complètement paumé. Bon bah alors du coup, il y avait une étoile rouge, une pièce rouge ici. Tiens, une vie. Oh yes, et puis je vais rater la vie. Non, c'est bon. Il va nous ressortir le coup là des champignons qui nous fuyaient dans Mario 3, si vous vous en souvenez. Ah là par contre, je suis sûr que je... Ouais, bah voilà, là j'ai vraiment fait tout le tour là. Ouais, dans Mario 3, les champignons ils partaient jamais dans le bon sens. Je sais pas comment ils ont fait dans Mario 3 quand ils ont codé ça, mais ils ont fait en sorte que les champignons ils nous fuyaient en fait. Ils allaient jamais dans le bon sens les champignons, ils partaient toujours dans le mauvais sens. Ça m'a joué des mauvais tours bien souvent. Mais bon, on avait fini par réussir Mario 3 donc. On avait réussi à le finir ce foutu jeu. Hein. Marathon fou. Heureusement que le boss de fin il était pas trop dur parce que alors. Si le boss de fin en plus c'était un enfer, vu que le niveau de fin était. Bah en fait, sinon le niveau de fin m'avait l'air super con, à tête reposée. Mais sur le moment, après que j'ai joué 10 heures. Mais merde! Après avoir joué 10 heures d'affilée pour réussir à finir ce truc, ça me semblait beaucoup plus dur que ça, hein, sur le moment. C'était un truc de fou quand même. Donc là-dedans, je présume qu'il y a au moins une pièce rouge. Sinon, c'est pas possible, on a fait tout le reste du niveau donc. Allez, on va commencer par les hauteurs vu qu'il y avait une plateforme directement. Oui, des petites pièces. Très utile, merci. Bon, quoique aussi, je suis mauvaise langue en fait, c'est utile, ça nous permet de nous acheter des items. Alors, ah non, est-ce que je dois descendre? Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose que je descende là ou si ça me fait du mal pour rien de nouveau. C'était pas par là qu'il y avait... Ah ouais, si, ouais, voilà, non, j'allais dire par là qu'il y avait une étoile. Non, là, il n'y avait pas d'étoile, il y avait un petit coffre. Ah, à droite, pièce rouge, je l'ai vu. Il y en a en tout cas une là-bas. Mais je présume qu'il doit y en avoir une deuxième, parce qu'on a fait tout le tour du niveau, sinon, donc... Ça, en revanche, ça a toujours été bizarre dans les Mario, le fait que les boules de feu, elles puissent être tirées sous l'eau. Mais ça, depuis le tout premier Mario, c'est comme ça, hein, les boules de feu, voilà. Pas de problème pour les lancer sous l'eau. Allez savoir comment marche la physique au royaume champignon. Pas comme chez nous en tout cas, mais bon en même temps quand on voit les sauts que Mario est capable de faire. Donc non, c'est pas par là, là c'est l'entrée, donc c'est pas par ici. Ouais. On va déjà aller par là. Voilà, donc c'est par là que j'étais venu tout à l'heure. Oh là, eh ben, merci beaucoup, j'ai atterri sur... Ah oui, non mais merde, mais là c'est le coin où c'est impossible de... Oui, c'est impossible de sortir sans se faire toucher par ces trucs. Ah merde. Ah, je suis dans le caca. Donc là où il n'y a rien, ça on le sait. Bah oui, parce que, là, quand on sort, parce que la physique pour sortir de l'eau, elle est catastrophique. Donc du coup, bah ça fait que... Il a mal mis ses oursins pour moi. À mon avis, il les a mal mis, parce que c'est impossible de sortir de l'eau et de sauter par-dessus les oursins. On est obligé de se faire toucher une fois de plus. Enfin bon, au moins on a la 7ème pièce rouge, c'est déjà ça. Non, reste à savoir où est planqué la 8ème. Non, on arrête de monter, Mario. Non mais qu'est-ce que j'ai foutu là? N'importe quoi, c'est pas grave. On va essayer à m'en sortir, je sais pas comment. Mais dites-moi que la dernière pièce rouge elle est là à droite, que je fasse pas tout ça pour rien. Vous êtes sérieux, ça servait à rien de venir ici? Ah, mais c'est pas possible alors, elle est où la dernière pièce rouge? On a retourné tout le niveau. J'en ai bien 7, hein, oui j'en ai 7. Oui parce que je vois pas le compteur là justement comme je vous l'ai déjà dit hein. Là j'ai mon micro plus le filtre par devant que, bah, voilà, qui me bouche la vue, je vois pas du tout le bas de l'écran. Là clairement le nombre de pièces rouges il est typiquement placé dans la zone où je ne suis pas capable, où je ne peux pas voir, bah tout simplement, bah où je vois pas, tout simplement, voilà. Donc le problème c'est que bah voilà, il nous manque une pièce rouge. Alors maintenant où est-ce qu'elle est? Est-ce que ça vaut? Bah écoutez, je vais essayer d'aller tout à droite quand même, parce que de toute façon j'ai plus qu'un point de vie. À moins que là il y ait un champi. Non, une pièce pourrie. Je vais sauter là en bas. Et on va voir. Il y a peut-être. Ah non, il y avait rien. À moins qu'il y ait. Ouais, non, une pièce rouge dans un de ces coffres. Mais là, ça me paraît très bizarre. Non, sérieusement, comment vous voulez que je saute là? C'est pas possible, regardez-moi ça le saut. Attendez, mais parfois il fait des plus gros sauts, je sais pas pourquoi. Ah, mais d'accord!
Ah non mais ok d'accord. Non mais ouais ok d'accord. D'accord, donc la physique elle marche comme ça. Bon bah c'est bizarre alors, d'accord. Donc la physique marche pas comme je pensais qu'elle était censée marcher, mais d'accord, donc en fait si c'est tout à fait possible de passer par-dessus. Faut juste comprendre qu'en laissant le bouton de saut enfoncer plus longtemps, même en dehors de l'eau, et bah ça nous fait aller plus haut, ce qui est un peu étrange. Il me semble pas que c'était comme ça dans les Mario rétro, mais là je peux me tromper. En tout cas dans les Mario sur NES, il ne me semble pas, hein. Là je suis à peu près sûr. Autant dans les Mario sur NES, des transitions haut-terre, je sais même plus s'il y en avait. Mais je sais qu'en tout cas, bah voilà. Là, ça m'a particulièrement surpris. En revanche, bah où est la dernière pièce rouge alors? Oh là là, ça veut dire qu'on va devoir se refaire tout le niveau de nouveau. Ah, puis les bloops qui reviennent me poursuivre. Vite le champignon, vite le champignon, vite le champignon. Allez, mais plus vite. Allez, regardez-moi ça, je suis en train de me faire poursuivre par des vieux poulpes. Puis ils vont m'empêcher de prendre le champignon. Bah merci beaucoup. Est-ce que je suis venu là-dedans? Je crois que oui. Attends, on est venu ici? Ouais, si, là, il y avait un trou pour une pièce rouge que j'ai déjà chopée. Donc oui, je pense qu'on est déjà venu ici. Est-ce qu'on est passé par là, en bas? Bah oui, on était passé, je me suis suicidé. Comme un débile, bien joué. Vas-y, il me reste combien de vies à part ça? Deux vies. Vous êtes sérieux? J'espère que ça suffira pour trouver la dernière pièce rouge, parce que si je dois tout recommencer, je vais piquer une crise maison, c'est moi qui vous le dis. Hein. Non, parce que ça, c'est clairement vraiment pas les passages les plus palpitants. Là, sérieusement, chercher les pièces rouges... Ouais, non, ça, c'est vraiment pas le passage le plus palpitant. Ouais. Mais déjà, dans les Mario Dory... Ah, bah, elle est là, la pièce rouge. Je sais même pas comment j'ai réussi à la rater tout à l'heure. Ouais, non, mais laissez tomber. Je vais me faire prendre en sandwich par les bloops. Ah, mais oui, si, bah, je sais pourquoi je l'ai pas vu. Parce que déjà, tout à l'heure, justement, je me battais contre les bloops. Mais comment vous voulez, c'est pas possible. Puis je fais comment maintenant? Bah je fais pas, voilà, je me fais toucher, j'espère que ça a sauvegardé la pièce, parce que sinon c'est impossible d'aller la chercher. Oui, ça l'a sauvegardé, bon bah arrière toute, alors on va sûrement pas repasser par là. C'est pour repérer les trois quarts de ma vie sur ces vieux poules pourries. Non mais sérieusement, parce que c'est ça, dans les anciens Mario, on pouvait les esquiver ces machins, en se mettant sur le sol, mais là, vu que le développeur, il a pas programmé ça comme ça, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que tout le reste, ça ressemble vraiment pas mal au Mario, mais pas ça, enfin au Mario officiel, disons. Là, il a décidé que les bloops iraient jusqu'en bas et qu'ils nous toucheraient quoi qu'il arrive, donc... Ça, c'est un peu moins top, mais bon. Donc c'est pas par là la sortie, je crois. Hein. Oh là là, puis en revoilà un. Hein. En me baissant, ça a passé. Est-ce que c'est du bol ou est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Mais attendez, mais c'est pas par là? Non mais de toute façon, elle était sous l'eau l'étoile, je me souviens, l'étoile à choper elle était sous l'eau donc... Bon, Champleur, on s'en fout un peu mais bon je le prends... Hein. Ouais non, elle était sous l'eau l'étoile à récupérer donc... Ça veut même... Ah bah voilà, elle est là, parfait. Ah bah dis donc, ouh, pas facile à avoir celle-ci. Et une fois de plus, ouais voilà, j'ai mis 12 minutes 55, et une fois de plus, c'est vraiment pas les étoiles les plus sympathiques à aller chercher. Mais déjà à l'époque, genre dans Mario 64, c'était clairement pas les étoiles les plus intéressantes à aller chercher. Parce que les pièces rouges, elles étaient paumées un peu partout dans le niveau, c'était un peu chiant de leur courir après. C'est pas le genre de truc que j'aime bien, ça. Mais bon, ça vous le savez déjà, hein, vous l'aurez remarqué. Genre par exemple, vous en souvenez les niveaux infâmes là, dans Sonic Adventure 2, où vous étiez censé faire de la recherche avec Knuckles ou Rouge, ils étaient tout moisis ces niveaux, c'était incroyable. Ah bah parfait, on a le Chaos Event. Je crois que c'était les niveaux les plus moisis de Sonic Adventure 2. C'était certainement un des trucs les plus ratés du jeu. C'était ces niveaux d'exploration qui servaient à rien, quoi. Et le pire, c'est qu'il y avait des niveaux, si vous avez pas vu le let's play, c'est qu'en gros, vous aviez des niveaux fermés où vous deviez chercher des merdes comme là. Mais il y en avait en plus qui étaient timés. Genre, vous aviez, les machins, ils popaient aléatoirement dans le niveau. Vous deviez tous les trouver de manière random. Et en plus, c'était timé. Je suis devenu fou sur ces niveaux, hein. Clairement, ça, c'était les niveaux bien daubés de Sonic Adventure 2. En gros, il y avait que vraiment que les niveaux avec Sonic et qui étaient marrants en fait. Tous les autres, c'était un peu moyen, mais bref. On est surtout là pour parler de Mario et surtout, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vois que mine de rien, on est à la demi-heure et surtout, bah, on a 36 étoiles. Donc 4 étoiles encore pour nous amener au dernier niveau et à en croire la liste des levels, voilà. Qui étrangement d'ailleurs nous donne déjà le nom du truc là en bas, bah, la Frantic Fortress, voilà, qui apparemment a une grosse étoile, donc voilà, je pense bien que ça va être la fin du jeu. Mais pour ça, il nous faut 40 étoiles, voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on s'attaquera certainement pas à ça la prochaine fois, je pense que la prochaine fois on va encore essayer déjà de choper les 4 étoiles qui nous manquent, et on verra après.
Mais en tout cas, bah moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. D'ici la prochaine, surtout, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.